Son nuage, on réjouit charmé.
quand on m'a proposé que ce projet, c'était, voilà, on m'a dit, est-ce que ça te dirait de chanter des chansons écrites par Saint-Thérèse de Lisieux? Je ne connaissais pas, parce que vous savez, je suis musulmane. Donc, je ne suis pas du tout de confession catholique, donc je ne peux pas connaître. Et puis donc, j'ai voulu savoir plus et on m'a dit que c'était une sainte, voilà, et qui adorait écrire. Et elle écrivait très très bien. Et puis ce sont les textes qui datent du 19e siècle, fin du 19e siècle, pardon. Et donc après, j'ai eu tout de suite peur parce que les textes de cette époque-là, ça pourrait être assez lourd. Ça pourrait être quelque chose avec lequel on peut pas vraiment s'identifier. Et puis donc voilà, après on m'a envoyé les chansons et j'ai lu les textes. Et là, j'étais agréablement surprise de sa modernité. Et c'est pas simplement le fait qu'elle utilisait des langages simples. Et ensuite, il y a surtout son message. Son message qui est quand même très, très universel. Et finalement, ce sont les textes qui d'abord me parlent, me touchent. Et puis, encore une fois, sa modernité fait que cette chanson, ça pourrait être écrite aussi bien aujourd'hui. Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de chansons qui sont écrites aujourd'hui aussi bien. Vivre d'amour, c'est bannir toute crainte, tout souvenir des fautes du passé. Est-ce que vous êtes fan de Natasha St-Pier? Oui, j'aime bien, oui. Mais je suis surtout fan d'Anggun. Demain, est-ce que vous venez au concert ou vous allez... Oui, tout à fait. Vous allez venir en famille? Oui, avec mon épouse. Vous êtes fan de qui? Anggun, je l'aime bien. D'accord. Et est-ce que vous allez participer au concert demain? Non, j'ai pas des places. Et avez-vous déjà écouté l'album? Oui, la première chanson, Vivre d'amour, de Natasha St-Pier et Anggun, oui, je l'ai déjà entendu. Mais sinon, j'ai pas l'album non plus. Ça se passe super bien parce qu'en fait, on se connaît depuis pas mal d'années et on a déjà chanté à plusieurs reprises pour des émissions télé et à chaque fois, en fait, voilà, on aimait ça. Voilà, elle fait partie des chanteuses dont j'aime beaucoup parce qu'elle est très pro, elle a une voix très particulière. C'est-à-dire que Natasha, même quand elle parle ou quand elle fait là, on sait que c'est elle. Voilà, et puis c'est toujours un plaisir de chanter avec elle. Et quand on m'a dit que j'allais faire ce duo-là, en fait, on a fait deux chansons ensemble et j'étais ravie parce que voilà enfin un projet pour nous deux sur deux chansons. Et puis maintenant, je ne sais pas. Peut-être on aura envie d'autre chose aussi, plus tard. Charité, voilà ma seule étoile. Alors, l'exovienne. C'est comme ça, hein? Non, c'est ma première fois ici. Je suis ravie. Je suis très touchée. Surtout, en fait, chanter à la superbement importante basilique de Lisieux. J'avoue que je suis très intimidée. C'est assez impressionnant de chanter devant cet édifice. Et voilà, je voulais vous remercier pour l'accueil parce que les gens ont l'air très très gentils. Voilà mon ciel, voilà ma destinée.